Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Don't Starve Together et je suis en compagnie d'Ejaz. Comment ça va Ejaz? Bah écoute Dim, ça va très bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah d'accord, tu nous dis au revoir alors qu'on commence? Mais non, une bonne soirée! Pour nous elle commence, il est tôt. Bah absolument, absolument, il est à peine 20h les gars au moment où on enregistre. Alors pour rien vous cacher... Je vous précise quand même dès le départ, il n'y a pas eu de... Alors ça c'est par rapport à ma chaîne, puisque d'après ce que m'a dit Ediaz, elle va enregistrer de son côté. Donc vous aurez peut-être, et ça c'est pas encore dit, une vidéo similaire à la mienne sur sa chaîne avec son point de vue à elle. En plus en facecam, et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit les gars qu'elle avait prévu de twerker. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. De quoi? De quoi? De quoi? Mais oui, moi, oui. Je suis prêt. Moi, je m'apprête à regarder le twerk. J'étais parti louer mon projecteur. J'ai fait le taf. Je voulais du gros plan, tu vois. Et ouais, non. Donc du coup, je te laisse répondre. Excuse-moi. Bah non. Vas-y. Moi, je suis sagement en train de travailler. Tu sais qu'il y en a qui bossent sur ce jeu, hein. Ouais, alors, donc moi, j'étais mort au dernier épisode, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, ce qu'on va faire. C'est que je descends tout en bas de la map comme un kéké pour essayer de récupérer mon équipement qui est ici. Si possible avant la nuit, vous avez vu qu'au niveau de ma barre de santé, donc c'est bien ce qu'on avait dit la dernière fois, donc on a un nombre de ressuscitations limité. Donc je pense qu'on a encore 2-3 ressuscitages possibles, tout en sachant que je pense qu'à la prochaine fois où on sera morts tous les deux, on terminera à mon avis tout simplement la saison, puisque ça va devenir très très compliqué pour nous. Vis-à-vis des saisons qui vont arriver, etc., de pouvoir tenir le coup, tout en sachant qu'on est à zéro pour le moment. On a fait 10 jours et on a quasiment rien fait, quoi. Et là, on va passer un 11e jour, on n'aura toujours rien fait. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir qu'on mettra peut-être fin à la saison, mais c'était un petit peu le but de l'aventure. Déjà, on a tenu 10 épisodes, on tiendra peut-être davantage la prochaine fois. Putain, j'ai les robots là, et Diaz autour de moi, c'est chaud. Et Diaz? Ouais. Et je suis en train de poursuivre un lapinou, moi, j'arrive pas à tuer. Putain, grosse mission. Mais j'ai les crocs! T'as les crocs? Écoute. Alors, je sais pas du tout où t'es, mais je remonte. Alors, attends, ils sont où les putains de buffalo? Je me souviens plus. Alors, attends. Alors, attends, est-ce que j'ai de quoi faire un feu? Donc, toi, t'es au niveau des pierres. C'est bah, bon. Écoute, non, suis je le chemin. Je suis au buffalo, ça y est. Parfait. Ah bah oui, je te vois. T'es où, Ejaz? Là. Ah, c'est quoi ce coffre? Ah merde, tu l'as brûlé. Je me suis mangé la foudre, il a tout brûlé, il avait brûlé du coup le précédent coffre. Est-ce qu'il y avait dedans, bien sûr? T'as faim encore? Est-ce que tu as des pierres par hasard qu'on se fasse un vrai camp, un vrai feu en fait? Un vrai feu? Ouais. C'est bleu comme ça là, c'est bizarre. Parce que c'est l'hiver, Ejaz. Mais que nuit, c'est pas l'hiver. C'est l'hiver. Mais non. C'est la fucking pleine lune, c'est l'hiver. Eh écoute, on va s'installer ici. Moi je le plante c'est maintenant. Ah, c'est peut-être la pleine lune, ouais. Et c'est pas l'hiver. Hop, parfait, j'ai fait un deuxième feu, Ediaz, un contre-feu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'as fait à 4 km de la machine et du coffre? Parce que... Parce que c'est comme ça. Tiens, je te donne un petit peu de lapin si tu veux pour me faire pardonner. Ah bon, GG la logique du mal... De quoi? Quelle logique? Bah justement, aucune. Mais bien sûr que si, Ediaz. Regarde, je m'installe dans une zone. Non mais attends, moi je suis fils de maçon, moi. Donc je vais t'expliquer le programme. Attends, je fais cuire déjà mes petites baies. Ça c'est le plus important. Et je t'ai déjà dit que j'aime pas qu'on parle pendant que je cuisine. Attends. Bon alors là. Hop, hop, et hop. Impeccable. Alors maintenant... Parce qu'en haut, j'ai plus de place, et comme il y a moins de buffalo, je suis pépère. Alors que ta petite zone, là, toute pourrie, à côté du chemin, c'est vrai que ça aurait été intéressant de le faire ici aussi. Putain de merde. Et voilà. Bon, Ediaz, je récup du caca. Hein. Bah, récup, hein. De toute façon, on va en avoir besoin si on veut se faire des... Alors, il me faut le truc d'alchimiste, la deuxième. Je sais plus comment on l'a fait. Oh, Pompidou, pourquoi je lag, là? Pourquoi? Alors, oui, question. Pourquoi tu dis Pompidou? Ça vient d'où? De la marquise. Marquise Pompidou. Ah non, bon sang. T'as la marquise de... De Pompidou. De Pompadour, oh là là. D'accord. Hey Dim, je viens de trouver un truc qui devrait te plaire, je pense. Un godemiché. Parfait,
l'en chercher. Mais non. Ah bah, je suis déçu. Des cavaliers très très sympas qui ont une arme. Je pense que ce serait intéressant de leur piquer. Non mais attends. Des boulons. Ah oh, putain, il me faut un truc. Et Diaz, excuse-moi, excuse-moi. Voilà, j'ai la massue, et Diaz. Ah, oh, je casse. C'était une belle connerie ce que j'ai fait. Et Diaz, si tu peux nous prendre du bois, on va tout de suite faire des champs. Attends. Toujours attends. Et moi, je suis en train de mourir de faim, moi. Je suis en train de me motiver. Bah justement, on fait du champ. Et ben moi, je suis en train de chasser. D'accord. Tu nous ramènes à manger? Mais arrête de courir pas là, là. T'as dit des gros mots. Ouais. Ouais, je te félicite pas. Non! Il est passé à côté du piège! Comment il me narque, ce lapinou! Attends, toi, tu vois, je vais te faire la peau. Bon, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, les gars, Diazol fait son aventure toute seule. Il nous a abandonnés. Je suis livré à moi-même. Obligé de faire le taf. Obligé de survivre par mes propres moyens. Et pourtant, au dernier épisode, j'avais fait une couronne de fleurs. J'avais écrit un petit mot à l'intérieur, mais apparemment, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Donc, Mais t'as vu le mot aussi? Je me pose sur au bord de la falaise et je me suicide. Ah mais je suis désolé hein, tu n'as semé que ce que tu avais récolté hein. Qu'est-ce que j'ai? Comment ça j'ai semé quoi? J'ai récolté quoi? Le mot il était. Il y avait écrit quoi dans le mot? Il y avait marqué. Bravo Diaz. Ouais, t'as été égleuré. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ouais, t'as été égleuré. T'as On t'en déduit que tu le trouvais de mauvais poil. Désolé, mais c'est pas comme ça qu'on parle à une nana. Ouais, je t'ai tégleuré. Mais qui dit ça? Mais putain, y'a que dans ton coin qu'on parle comme ça. Mais personne parle comme ça, bordel. On dit ça dans ton coin, Etias? Merde. Non, par chez toi. Non, dans mon coin, on dit tégleuré. On dit pas du tout. Hé! Ah. Oh, chevillotte, t'es trop mignonne. T'as des belles gleurées. J'ai perdu ma connexion. T'as perdu ta connex? Ouais. Ah merde. Bah écoute, parfait pour ton enregistrement, ça va te demander du montage en plus. Je suis sûr. Oh non, mais pourquoi j'ai plus de connexion? Bon, vous voyez les gars que, hein, comme d'hab, je suis passé à la vitesse supérieure, je fais le taf. Ah, c'est ton serveur ça qui merde. Ah bah attends, c'est pas mon serveur personnellement. Par contre, on est un peu limité en Buffalo. Ah, il y en a là, parfait. Je ramasse le coca, hop. Du bon caca. Hop. Bah écoute, je suis assez satisfait d'avoir trouvé cette zone et d'avoir peut-être sauvé le let's play grâce à moi. Edias, t'es revenu? Tu t'en sors? Je vais le tuer, je crois que je vais le tuer. De qui donc? De toi? Pourquoi? Oui, cette zone, blan blan blan. Non mais attends, mais qui a fait le camp? Qui a fait le plus gros boulot? Mais quel camp? C'est même pas un camp, c'est un camp de Rome. Y'a rien dedans, bordel. Ah ouais, y a rien dedans à part un coffre, une machine. Super. Une machine scientifique, donc ce qui coûte le plus cher à faire. Bah attends, c'est la première. Alors, elle est mignonne, Jeannette, hein. Mais toi qui débarques, pour faire quoi? Hein? Trois petites bouses où tu plantes des graines? GG, heureux. Non mais... mais calme-toi. Non mais attends, c'est ça qui va assurer notre survie. C'est comment tu veux qu'on assure une descendance et un futur, tu vois, des plus tranquilles. Moi j'en ai marre de courir dans la nuit et me faire courser par des chiens, etc. Moi j'ai envie qu'on ait un foyer. Je veux qu'on ait une maison, un pavillon. Je veux pouvoir arroser mes plantes tranquillement et me mettre sur TF1 à partir de 14h si j'ai envie. Donc voilà, qu'est-ce qui me manque? Putain, j'ai pas de bois. Je repars. Oh, je suis trop forte. De quoi tu parles, hein? Le lapin. Ah. J'ai eu le lapin. Alors, où est ton feu déjà? Non, mais mon feu, je l'ai détruit, Diaz. On va rester là où t'es. Moi, j'ai pas perdu de temps. Hein? Tu l'as pas refait, non, bien. Non, je l'ai pas refait. Mais je vais le faire là pour la nuit. Mais moi, j'optimise. Je balance pas des trucs comme ça à la va-vite. Bon, bah fais-le parce qu'il me reste 11 de faim là. Eh ben, je vais mourir si tu le fais pas rapidement. Là? Bah ouais, là. Mais c'est pas encore la nuit, là. Bah on est en soirée, hein, tu sais qu'on perd du moral à rester... à ne pas rester près d'un feu. Tiens, si tu veux te nourrir. Sur les jauges. Attends. Ah. J'allais dire pas trop près des machines, parce que vu ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je t'ai donné du goudron. Toi, tu la ramasses. Mais les cendres, c'est super bien. Ouais. Bah oui, ça sert à faire des cataplasmes avec le toile d'araignée. D'accord, bah on en est pas encore là. Alors attends. Ah bah toi t'en es pas encore là. Moi j'en ai un, attends, je réfléchis là où je le mets. Moi ça va être simple, ça va se passer ici.
ça va se passer. Mais putain, Edias, tu peux pas aligner les trucs en face de ceux que j'ai déjà mis? Fille, celui qui faisait son petit mais Edias, coin, son putain, petit feu à perpète les bains. Si je pouvais, je te taperais là. C'est désorganisé point ce que tu fais bruit, là. Oui, dame oiseau, fais le feu. On fait le feu là, on va mourir. En tout cas, moi je vais mourir. De quoi? Non, mais non, attends. Attends, je suis en train de mourir. J'allais pile poser le feu là où tu l'as mis. Eh ben, viens faire avant que je meure. Tiens, viens ici. Bon, j'ai plus de bouffe. C'est la merde. Tu me donnes un peu de nourriture? S'il te plaît. Ben, moi, je veux bien, mais j'ai rien à te donner. Je n'ai attrapé qu'un seul lapin que j'ai mangé qui m'a donné 13 points de faim. Je suis encore en train de crever la dalle. Merde. Je me fais des oiseaux, t'inquiète. Merde. Je remonte à 20. Je crois qu'on va arrêter de courir comme une folle dans la prairie parce que... Non mais là il fait pas nuit là. C'est de la michto. C'est quoi? Oh, ça sent le coup de pute, je reviens. Qu'est-ce que ça? Non mais je pensais qu'il faisait pas nuit parce qu'on était déjà dans le noir mais en fait c'était juste un petit peu avant. Alors est-ce qu'il faudra l'alimenter le feu? Je sais pas. Par contre je vais planter tout de suite ça, comme ça on va voir. Non, je pense que c'est bon, on est en été, elle fait que 2 barres, ça devrait aller. On est en été, Jazz? Ouais. Regarde tes... Je sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs. Tes quartiers de jour. Mais camembert. Mes camemberts, ouais. Oh, c'est pas une bonne idée ça, Dim. Mais si. Bah non, tu les fais trop proches de nous. Pourquoi? Bah en fait, malheureusement, planter des arbres à côté d'un camp, ça attire bien souvent la foudre. Et tu vas voir qu'avant de les couper, ils ont été brûlés. Mais non, mais on va se faire tout de suite la machine au calme. Bon, il manque de... T'aurais de la truc de science? On va faire attends, une science. Encore mourir là. Chut. Merde, des trucs de science? Je rajoute un peu de feu. Voilà, ça servit à rien. Objectif bouffe. Hein. Je suis déjà en train de crever de faim. Tiens, j'ai pêché un lapin. Hop, on va se faire une petite réserve comme ça, je vais en mettre... Putain, je vais le détruire le truc que t'as rajouté là. C'est pas possible, Aidias. Oh, ils sont en chaleur. Oh, quoi, ils sont en chaleur. Non, sérieux? Ouais, je suis coursé là. Ça va, je m'en suis sorti. Bon, ils vont pas très loin. Merde. C'était pas prévu au bataillon, ça. Attends. Ah, ça, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais encore un petit lapin. D'accord. J'ai tellement faim que j'ai pas le choix. Faut que je les brûle tous. D'accord. Comment je fais mon truc déjà? Oh oui, purée, je les entends. Oh, on va se faire démonter. Mais non, t'inquiète. C'est ta faute. Stonewall segment. Use an alchimie. Putain, on a pas d'alchimie. Merde, je suis un bolos. Edias, t'as de la pépite d'or? Gold nugget, ouais, j'en ai. Ah bah donne-moi-en une, s'il te plaît. Attends, mais la machine, elle est là. Je sais pas comment on fait pour diviser des trucs ou... C'est pas avec shift? Ouais, c'est bon. Use an alchimie. Mais c'est contrôle, en fait. Ah tiens. Ouais, mais il nous faut le truc d'alchimie, on l'a tiens. Pas. Quoi? Mais tiens, je t'ai donné des gold. Ouais, mais attends. Mais en fait, ça me sert à rien, c'était pour faire la science, mais on l'a déjà. Alors attends, je vais faire des électriques et on va faire tout de suite l'alchimie. J'ai encore faim, je suis 36 là. T'en aurais deux de plus, Edias, ou pas du tout? De quoi? T'en aurais deux de plus ou pas? Deux de plus? Ouais, deux pépites d'or en plus. Ouais, j'en ai. Si tu peux me les passer. Mais... Tiens. Hop là. Merci. Est-ce que t'aurais du bois? Il faut que j'aille en chercher. Oh putain, je vais mourir de faim. Oh, j'ai pas fait gaffe. J'en ai pas beaucoup. T'as combien de points? J'ai 12 points de santé là. Ah bah ouais, t'es comme moi tout à l'heure. Enfin, moi c'était pire, j'en avais 0, j'étais vraiment en train de mourir. Tu ressens ma douleur et ma crainte, ma peur. Putain, je peux pas manger du caca, ça fait chier. Bah écoute, viens, on tue un buffalo, ça donne beaucoup de viande. Ouais, mais ils sont quand même rares, hein. Faut pas qu'on fasse les kékés. Mais non, ils sont en période de chaleur, ils vont faire des bébés là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas de bébés dans le jeu, les gens. Le problème, c'est qu'on va aggro toute la famille. Mais non, mais non, c'est une connerie. Allez, viens. Non, moi je vais chasser les crapauds. Ah, non, c'est peut-être une mauvaise idée. Non, mais là j'ai trouvé des baies, Diaz. Je vais aller ramasser. Hein.
Attends, moi, c'est la crise ici. J'ai trouvé des baies, tranquille. J'ai 2 baies, putain. Alors là, j'ai 3 baies. On court, on court. Comment ça, on court? En fait, on perd vite l'aggro. C'est bizarre, avant, c'était pas aussi facile. Ouais, alors après. Être poursuivi sur une bonne partie de la carte, c'est l'horreur. Putain, si j'arrive à choper le dindon. J'y arriverai jamais, laisse tomber. Chope le dindon! Ah, c'est mort. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis en train de crever la dalle. Bon, comme d'habitude, c'est la grosse misère. Donc je pense que de toute manière, on en a encore pour peut-être 1 ou 2 épisodes avant de crever définitivement. Bah écoute, on est plutôt pas mal. On en reste là. J'ai mangé mes baies comme un hashtag avant de les faire cuire. Donc on est bien dans la merde. Tiens, je peux en créer un deuxième. Ça y est, j'ai créé les 2 electrical doodles. C'est qu'il me faut. Par contre, il me manque du coup de la planche. Je vais aller choper du bois. Bah écoutez, on va terminer l'épisode, on va finir quand même cette journée-là et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tac, allez, chope du bois. Il me faut 5 planches. T'aurais pas beaucoup de bouses de buffalo par hasard? J'en ai 14. Eh ben, pourquoi est-ce que... Mais t'es banane, toi, hein? Mais je fais dans l'ordre, Diaz. Non, tu me dis que t'es en train de mourir de faim. Ouais. Et tu mets pas de la bouse sur les plants de légumes. Non, parce que moi j'économise mes bouses. En plus, là, tu vois, du coup, comme ils sont en mode truc, ça mais, va être mais galère. Mais ben, je suis allé en chercher tranquillement, sans me faire aggro. Non, mais tu sais quoi, l'objectif là, quand tu m'as dit, quand j'ai vu que les mecs commençaient à me courser, en fait, ce que je me suis dit, c'est de créer vite un truc d'alchimie, déjà pour rattraper un peu le retard. Et puis surtout pour nous créer, vu que j'ai beaucoup de pierres. Je voulais nous faire un abri, tu sais, nous commencer à nous faire des délimitations de terrain. Comme ça, on aurait vraiment passé toute... on aurait été tranquille, quoi. Donc, c'est ça que j'ai prioritisé, et du coup... je sais pas si ça se dit. Et du coup, j'ai même pas fait attention à ma bouffe. Ouais. Voilà. Et toc. Et moi, je suis en train de mourir de faim. Mais moi aussi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On va pas quand même se cannibaliser entre nous. Bah, surtout que sur toi, y a rien à manger. Comment ça? Bah, et je te rappelle que t'es aussi affamé que moi, hein, donc... Hop. Ok, on est pas mal. Ouais, et là, j'ai pas un seul gramme de bouffe. Bah, vas-y, du coup, on va mettre des bousins. Bah, j'imagine que t'en as mis entre-temps. Sinon, on peut casser des trucs de miel, là. Des ruches, non? Oui, oui. Ah, putain, je vais me faire courser. Je le sens pas. Allez, les gars, on casse. Ah, mince, j'aurais voulu être là pour voir ça. Attends, mais c'est des rouges qui sortent, c'est pas des jaunes qui sortent normalement des fois? Non, parce que quand tu casses en fait la ruche, c'est ça les guerriers les qui sortent. Donc les abeilles en colère dans le jeu, c'est des abeilles rouges. Bon, je sais pas si elles te lâchent à un moment donné. Si elles te lâchent. Elles te lâchent. À un moment donné, ouais, ouais. Bon, heureusement. Hop, alors je suis là. Tac. Je vois que c'est très mauvais en plantation chez nous, hein. Je vois que ça fait pas le boulot. Mais tu m'as pris mes graines, j'en avais 2 pour les plantes. Là. Mais non, j'ai utilisé les miennes. Je te jure, j'ai utilisé que les miennes. Eh, regarde, tu verras, t'en as 2 de plus. Enfin, t'en as récupéré 2. Ok. Alors, la nuit va tomber. Grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire le truc d'alchimiste. Pour ça, il me faut de la planche et les planches. Tac. T'as combien de points en nourriture là? Je suis en train de mourir. Ah bah, je suis mort. Merde, putain, j'ai pas fait attention. Ah, j'avais presque plus de vie. Putain de merde, sa mère, la reine des. Des cagoles pour être poli, putain de merde! Bon bah, moi je vais manger la viande des démons que j'avais trouvé. Putain! Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura été un petit peu calme, hein, tout simplement parce qu'on rentre du boulot, on est un peu fatigué. Et surtout, je dois dire que moi j'ai arrêté la cigarette aujourd'hui et je suis pas au top de ma forme. Les mecs qui s'excusent à la fin. C'est bien ça. Voilà, que tu vas me rendre bien sûr au prochain épisode. Ça tombe bien puisque je l'ai porté depuis le début et j'ai bien transpiré dedans. Qu'est-ce que ça pue! Bon, et bah, sur ce, on se dit à très bientôt. Merci Edias. À très bientôt! Bah merci à toi. Mais je t'en prie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.